Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. That's good. Salut tout le monde. Alors je pense que ça vous aura pas échappé, mais l'activité médiatique des derniers mois a été partiellement rythmée par le procès qui opposait deux anciens conjoints, les stars hollywoodiennes Johnny Depp et Amber Heard. Et j'ai longtemps hésité à parler de ce sujet parce que euh, bah, je l'ai suivi de très très loin, et pour de bonnes raisons à mon sens, on y viendra. En tout cas cette bataille médiatique elle date pas d'hier, parce que Depp avait déjà intenté un procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun. Euh, qu'il accusait de violence conjugale envers Heard, procès qu'il a donc perdu en fin d'année 2020 à Londres, et pour lequel il n'y aura finalement pas d'appel. Mais donc l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le procès dont on a eu le verdict là, début juin 2022, et qui s'est tenu à Fairfax, en Virginie, à partir du mois d'avril 2022, qui était là encore un procès en diffamation intenté par Johnny Depp, euh, cette fois directement contre son ancienne épouse, Amber Heard, pour une tribune parue dans le Washington Post. Some of you may recognize Mr. Depp from seeing him portray characters such as Edward Scissorhands. Or Captain Jack Sparrow from the Pirates of the Caribbean movies. For nearly 30 years, Mr. Depp built a reputation as one of the most talented actors in Hollywood. Today, his name is associated with a lie. Alors, on va pas faire de mystère sur le verdict, de toute façon, vous en avez vu un passage en intro, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que même si les deux ex-conjoints ont été reconnus coupables de diffamation, en termes d'opinion publique, cette échéance judiciaire est plutôt vue comme une victoire pour Johnny Depp, notamment parce que sa sanction financière est moins lourde, et donc on a constaté que sa cote de popularité avait un peu grimpé pendant le procès. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas du tout de savoir qui a tort ou qui a raison dans cette affaire, ni même d'ailleurs de savoir qui est gentil, qui est méchant, etc. Non, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va plutôt être de questionner notre rapport à la justice, le rôle des médias aussi dans ce procès est plus largement de se pencher sur les questions que cette affaire pose pour nous en France. Parce que bien sûr, même si c'est avant tout aux États-Unis que ça se joue, bah, ça a eu un retentissement bien plus important que ça. On peut le regretter, on peut le déplorer, mais il n'empêche que c'est un état de fait, et donc on va parler de tout ça, mais pour commencer, il me semblait important de donner une définition de la justice, et pour ça, bah, comme souvent sur cette chaîne, on va aller voir du côté de chez Spinoza. En l'occurrence, l'extrait que je vais vous lire est tiré du traité théologico-politique, c'est dans le chapitre 16, je cite. La justice est la ferme résolution de rendre à chacun ce qui lui est dû d'après le droit civil. L'injustice consiste à ôter à quelqu'un, sous prétexte de droit, ce qui lui est dû d'après une interprétation légitime des lois. On donne aussi à la justice et à l'injustice les noms d'équité et d'iniquité, parce que ceux qui sont chargés de juger le procès ne doivent avoir aucun égard pour les personnes, les tenir pour égales et défendre également leurs droits, sans envier la fortune du riche et sans mépriser le pauvre. Voilà donc pour une perspective un peu philo sur la chose. Évidemment, des définitions de la justice, il y en a d'autres, hein, mais il me semble que celle de Spinoza est intéressante au regard de l'affaire qui nous occupe. Mais au-delà de ça, un élément vraiment important du procès de Heard qui vient de s'achever, c'est son aspect médiatique. Et effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir passer des séquences. Mais oui, il était intégralement diffusé en vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous poser question, il me semble. Parce que si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui était aussi porté par Dupont Moretti dans son projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Je pense qu'il est indispensable que l'on ait confiance dans la justice comme on doit naturellement avoir une inébranlable confiance dans la police de notre pays. Moi je suis ministre de la justice et quand je veux que la justice soit filmée, c'est pour que l'on voit justement la réalité, la quotidienneté. Et moi je suis vraiment pas convaincu que ce soit une bonne chose. Je pense que la justice devrait rester relativement loin des médias, en tout cas suffisamment pour pas que ça joue un tel rôle. Parce que là, je suis désolé, mais c'était n'importe quoi. Hein. Et chacun des deux acteurs était obligé de jouer la comédie dans le contexte de leur propre procès. C'est quand même délirant. Vous a, um, a correct a mega pint. Yeah. I poured myself a large glass of wine. I thought it necessary. Et sur ce point, je voulais vous citer un extrait de la Société du spectacle de Guy Debord où il fait lui-même référence à Ludwig Feuerbach. Et sans doute notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Ce qui est sacré pour lui, ce n'est que l'illusion, mais ce qui est profane, c'est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité et que l'illusion croît, si bien que le comble de l'illusion est aussi pour lui le comble du sacré. Et effectivement, ça s'inscrit très bien dans cet aspect de la psychologie humaine, qui n'a rien de nouveau mais qui est un peu regrettable, je trouve. Finalement, le procès d'Epheard aura rempli pour beaucoup d'entre nous la même fonction que les combats de gladiateurs de la romantique. Du pain et des jeux, quoi. Alors, au final, que conclure de tout ça? Bah, Chacun son avis, je suppose. Moi, je sais pas. Hein, je sais vraiment pas si la justice a été parfaitement rendue dans cette affaire. Pas tellement au niveau du verdict, hein, parce que moi, je suis pas juriste, donc euh, je suis pas vraiment compétent pour me prononcer là-dessus. Mais donc, ce qui me pose question personnellement, c'est plutôt cet aspect médiatique qu'on évoquait, cet aspect public. Euh, et mon gros problème, c'est que je trouve pas ça normal de s'épancher autant sur la vie privée des gens. Des et Heard ont beau être euh, des superstars mondialement connus, ça reste des êtres humains. Euh, et très franchement, quand j'imagine l'impact émotionnel et psychologique que ce procès a dû avoir sur eux... Bah je ne trouve sale d'en parler autant en fait. Et je m'inclus là-dedans, hein, parce que que je le veuille ou non, euh, j'en parle aussi, et même à ma modeste échelle, bah, je rajoute un peu d'huile sur le feu. Mais donc là où je veux en venir, et ce sera le sens de ma conclusion, c'est qu'on devrait peut-être repenser notre rapport à la célébrité, aux médias et à la façon dont on doit rendre la justice. Il me semble que c'est sain pour personne d'accorder autant d'importance à ça. Il suffit de regarder le traitement de cette affaire, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup de malice à constater, et il me semble que, collectivement, il faut qu'on rétablisse un cadre plus vertueux, parce que si on persiste sur cette voie, bah, il me semble qu'on pérennise un tableau pas super joli. Car ce n'est pas en effet la raison, mais les passions seules qui gouvernent la foule. Livré sans résistance à tous les vices, et si facile à corrompre par l'avarice et par le luxe, chaque homme s'imagine tout savoir, veut tout gouverner d'après l'inspiration de son esprit, et décider de la justice ou de l'injustice des choses, du bien et du mal, selon qu'il en résulte pour lui profit ou dommage. Ambitieux, il méprise ses égaux et ne peut supporter d'être dirigé par eux. Jaloux de l'estime ou de la fortune, deux choses qui ne sont jamais également réparties, il désire le malheur d'autrui et s'en réjouit. À quoi bon achever cette peinture Qui ne sait combien le dégoût du présent, l'amour des révolutions, la colère effrénée, la pauvreté prise en mépris inspirent souvent des crimes aux hommes, s'emparent de leurs esprits, les agitent et les bouleverse. Prévenir tous ces maux, constituer le gouvernement de façon à ne point laisser de place à la fraude établir enfin un tel ordre de choses que tous les citoyens, quel que soit leur caractère et leur esprit, sacrifient leurs intérêts au public, voilà l'ouvrage, voilà la difficile mission du pouvoir. Spinoza.